Bon, salut mon petit pote, c'est Big Pipe Man. Bon, alors on va te faire un petit compte-rendu de la Ambernic. Hein. Alors tu vois, là, je suis avec ma manette. Voilà. Alors, je vais te montrer un peu ce que ça vaut. Hein, voilà. Alors là, j'ai capture avec ma carte d'acquisition chinoise. Et non, ma carte d'acquisition personnelle, parce que le son déconne avec une carte d'acquisition à 300 balles. Et avec une carte d'acquisition à moins de 10 euros, ça fonctionne nickel. Bon, allez, je te laisse avec un petit peu de gameplay. Je coupe le micro, je coupe la cam et je te montre un peu ce que ça vaut. Allez, ciao et bon visionnage. We're back! It's party time! Crazy Taxi 2! It's party time! Let's have some fun! Alright, let's go make some crazy! Go ahead and pick up! I'm driving down again! Johnny's up! Start. Heavy machine gun.
Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über... Asterix! Thank you.
Bon, voilà mon petit pote, t'as vu un petit peu de gameplay de Lambernic. RJ353. RV. Voilà. Alors, t'as pu te rendre compte de ce que ça valait. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter? C'est à toi de voir. Moi, je ne te ferai plus de retour sur cette console. Voilà. Donc, mon avis final. Point négatif de cette console pour moi, c'est les sticks. Les sticks de la console sont mal placés. Deuxième chose qui est quand même assez négatif, c'est que tu n'as pas la possibilité de changer la batterie. J'aurais pu mettre une trappe, même avec une vis. Voilà. Troisième chose aussi qui est négative, c'est la carte SD quand tu reçois ta console, puisqu'à l'intérieur, tu as des machines qui ne sont pas émulées sur la console et qui a de la place qui est prise pour rien. Voilà. Donc, si je devais vous dire si oui ou non d'acheter cette console, c'est à vous de voir. Voilà. L'autonomie, environ 6 heures. Voilà. C'est à peu près ce que moi, j'ai fait tourner 6 heures. La batterie était encore à 8%. Donc, voilà. Donc, c'était mon avis final sur Lambernic RJ353 VS. Très bonne console, écran nickel. J'ai pas de point négatif plus que ça, à vous dire, puisqu'en plus, quand je faisais du game, j'étais avec ma manette. Donc, voilà. Vu le prix d'un Raspberry Pi 4 en ce moment, ben, c'est à vous de voir, voilà. Et quand tu mets un casque sur la console, un casque comme ça, avec la sortie jack, tu as vraiment beaucoup plus d'immersion, voilà, par rapport au micro que je trouve un peu light au niveau des basses. Mais bon, quand t'as un bon casque et que tu veux faire du game sans déranger les gens, et ben tu mets une vis jack dans la sortie jack et voilà. Alors, peut-être aussi tu veux savoir qu'est-ce que tu peux émuler. Ben t'as vu, je t'ai montré. Alors, Amiga CD, ça tourne. 3DO, c'est pas la peine. La Sega Saturn, quelques jeux. Dreamcast, pareil, quelques jeux. Tout ce qui est en 3D, ben malheureusement, voilà. Il y a beaucoup de problèmes par contre avec la Nintendo 64 avec quelques jeux. J'ai essayé Golden Axe et Golden Axe, le son crachouille. Sinon, c'est fluide. Mais il y a quelques problèmes sur la Nintendo 64. Voilà. Enfin, les consoles qu'on sait que bah, malheureusement, voilà. Bon, moi je te laisse là. Mon avis final, c'est une très bonne console. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Voilà. Ça vaut son tarot. Voilà. Tu auras aussi dans la description le lien de mon partenaire et le code de Reduc si ça t'intéresse. Voilà. Bon, moi je te laisse là. Je te dis à plus dans le bus. Allez, ciao ciao et prenez soin de vous.